il est possible que le bleu bordé est un peu éclaté. C'est possible. Peu, ouais. Donc on vérifie. D'accord. Je n'arrive pas à enfoncer la pointe de mon tournevis. Continue. On est obligé de faire une toilette de mer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on enlève tout ce qui est à la mer risque de ficher le blanc. C'est sûr que si on commence à taper à la masse dedans, on va enlever les bordées. Mais il faut le laisser comme ça et aucun souci. Et les tubes ont traversé le bateau avec des tissus de lit pour pouvoir bien le tenir dans le sens de la largeur. Quoi. Et vous, c'est un garçon. Et comme ça, le bateau, il peut plus bouger comme ça. Ils ont manqué les bateaux, c'était vraiment pire que ça. Ouais. On a plusieurs sources météo. Ça c'est avant, ça c'est jeudi. Ah oui, vendredi c'est pas de cette nuit. On a 4 pieds moins. De toute façon, départ prévu jeudi matin. Ça c'est la remorque de secours. Ah, si la remorque, la chaîne vient à casser, eh ben, on peut se récupérer celle-ci. On n'a plus la motopompe. Ça m'emmerde un petit peu là par contre. Parce que encore trop épais, on n'a rien. Et là on est à 20 mètres cubeurs. 20 mètres cubeurs. Pour remorque comme nous. C'est une sécurité supplémentaire. C'est un moment que j'ai attendu depuis très longtemps. Le navire est maintenant mis en sécurité pour pouvoir faire cette traversée qui va être quand même un moment délicat. C'est un risque, il ne faut pas se cacher. Moi, à mon avis, il y a des risques. On a un souci de structure, c'est sur l'arrière. On a mis ce qu'il fallait pour que ça soit costaud. Le bateau, quand tu vas le remorquer, c'est par l'avant que tu vas prendre la flotte. Derrière, ça ne bougera pas. L'objectif, c'est de retrouver cet esprit de protéger la nature, protéger l'environnement, se souvenir de ce que le commandant a dit parce qu'il était vraiment visionnaire. C'est un peu une star, de la mer. Et c'est grâce à des gens comme vous qui nous aident qu'on va y arriver. Mais maintenant, je suis vraiment heureux parce que je sais qu'elle renaîtra. Confiant, oui, toujours très confiant. Hâte d'être à Concarneau quand même. Patrice, sois prudent, ne tombe pas à la mer. Il y a plus de prélude. Ouais, je t'écoute. Ah, ok, on est plus tranquille là-dessus. Je vais dire à Calypso. Il y a d'ici à là, il y a 180 000. 25-40 mètres, t'as le feu d'oiseau. Ça fait 7 heures qu'on est en route. À Signeux, on a dû faire une quarantaine de milles. D'un coup, on se dit, on s'interroge, est-ce qu'on fait pas une bêtise? Est-ce qu'on fait pas, on n'a pas pris un gros risque de remorquer le bateau? Donc là on se met à se poser des questions, alors qu'on est sûr au départ d'avoir fait le maximum pour que le bateau fasse sa traversée sans risque. Mais bon, l'inquiétude existe. En duty free, on aimerait bien avoir des gobelets, de l'eau et du pinard. Le bateau marche très bien, on est à 6 nœuds en ce moment. Et là, tout à l'heure, dans quoi, 1h30, 2h maximum, on sera entre Lisieux et la Vendée.
toutes les commandes moteurs, toutes les commandes des moteurs étaient situées ici, là, à la position où je suis. Ailleurs, c'est... Toujours, c'est ce que... Ça, on l'entend souvent dans nos films. On passe derrière Belle-Île, tu vois, et c'est dangereux, hein. Sur toute la Bretagne, c'est dangereux. Hein. On va voir comment elle se comporte, on va la virer à max pour voir. Si ça marche pas, on tuera. Il reste encore 1 000 à faire, donc le soulagement sera complet et total que ce soir. Mais là, je crois qu'on a presque gagné. Non, ça fuit là. T'as ton jointerie qui déconne. T'es sûr qu'on a tout son temps, tu sais qu'on regarde là. Mais non, parce qu'en fait, il suffit de le bouger un tout petit peu et puis ça s'arrête. Ok. J'ai l'impression de reprendre mon métier de shift diver, comme on dit. Et voilà, messieurs. Capitaine. On a bien bossé un petit peu. Vous avez bien bossé. Et les copains là ? Les copains. On l'a fait traquer un petit peu. On l'a bien mérité. Les dames. Salut les petits ! Voilà. Et merci d'être venus. Qu'est-ce que je vous avais dit au mois de juin ? Vous allez réaliser votre rêve. Voilà. Merci beaucoup à vous. Ça a été long, vous avez été courageux, vous avez attendu. Nous, c'est rien du tout. Merci, vous avez fait du bon travail. Ça s'entend mal. C'était tellement bien qu'on était deux fois plus vite que prévu. C'est bon. Ça y est, oui, ça y est. Là, je suis content. Aujourd'hui, on construit le berre sur le lift. Ensuite, on sortira le bateau lundi. On le mettra au sec, on le nettoiera. Et puis mercredi et jeudi, on construira le chariot qui va permettre de l'amener du berre au hangar qui sont derrière moi. Ça fait à peu près 600 mètres à faire sur la route. Et donc on construira le chariot mercredi et jeudi. Et vendredi, on fera l'opération d'emmener le bateau du berre au hangar. Le bateau s'aligne de teint, bien, nickel. Il va être en jeu ces 5 épontis. Et puis après, on va préparer la finale.
En fait, vous avez 12 stations là, qui sont équipées de verres, ce qui permet de faire descendre petit à petit la plateforme. Et là, c'est des corrections. Enfin, vous avez des affichages de différences de niveau. C'est simplement ça. Quoi. On va larguer les pointes. On va enlever les pointes. Quoi qu'il soit raide celui-là, le bateau va descendre, le berg va monter. Un ensemble de 330 tonnes pour le bateau et de 30 tonnes pour le châssis. C'est sûrement l'un des plus célèbres que nous ayons eu à transporter, surtout qu'un certain nombre d'entre nous sont plongeurs, donc ont forcément une affection particulière pour ce navire. Il n'y a pas, braqué à fond pour un centimètre et demi. Hein. Mais seulement quand tu dis à quelqu'un qui explique, il ne veut pas t'écouter. Mais un petit peu de trop à droite. Regarde avec l'éclair. Regarde. Mesure les traits bleus. Garçon, tu n'as pas ton niveau aujourd'hui? Ça ne dit pas que le bateau est droit dessus, hein. Il est posé sur sa quille. Non, ça dit le berceau. Ouais, ça dit le berceau, mais le berceau, je m'en fous. Ah, c'est le bateau qui m'importe. Il est pas mal, hein. Ouais. Impeccable. Ouais. En arrière, si on passe là où est le camion, c'est pas mauvais. Ou derrière, mais si on revient par là... C'est encore 50 mètres et puis c'est bon.
se faire enlever, c'est triste.